Verset 14 à 18. Reading from verse 14 to 18. Actes des apôtres. The Acts, the book of Acts, chapitre 26, of the Apostles, chapter 26. Verset 14 au verset 18. Reading from verse 14 to 18. Actes chapitre 26. Verset 14. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Acts of the Apostles, reading from verse 14 to verse 18. We all fell to the ground, and I heard a voice saying to me in Amharic, Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for you to kick against the goads. Then I asked, who are you, Lord? I am Jesus, whom you are persecuting. The Lord replied, now get up and stand on your feet. I have appeared to you to point you as a servant and a witness of what you have seen of me and what I will show you. I will rescue you from your people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by me in faith. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Nous allons tout faire. We are going to do all pour que le message soit bien compris. For the message to be well understood. Que le message quitte le domaine de l'abstrait. That a message comes from the domain of abstract passe à celui de l'expérience. And to the domain of experience.
La notion de passion, the notion of passion, ne doit pas être vague dans ta pensée. Must not be vague in your mind. L'apôtre Paul nous rend beaucoup de témoignages sur lui-même. Apostle Paul gives us a lot of testimonies about himself. Nous allons dire quelque chose sur lui. We are going to say something about him or on him. Quel est cet homme qui bâtit un jeune homme appelé Timothée? What is that man who builds up a young man named Timothy? Timothée est le fils d'une mère juive et d'un père grec. Timothy is the son of a woman, I mean a Greek man and a Jew woman. Jewish woman. On reviendra sur lui. We'll come back on him. Mais l'apôtre dit, but the apostle says, quand il allait à Damas pour persécuter l'église, when on his way to Damascus to persecute the church, Dieu, God, l'a frappé, struck him. Il a vu une grande lumière. He saw a great il est tombé. And he fell down. Et tous ceux qui l'accompagnaient sont tombés. And all those who followed him also fell down. Et and Jésus lui a parlé. Jesus spoke to him. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Lis le verset 15. What does Jesus tell him? Verse 15. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Qui es-tu, Seigneur? Who are you, Lord? Je suis Jésus que tu persécutes. I am Jesus that you persecute. Je suis Jésus que tu persécutes. I am Jesus that you persecute. Je suis Jésus. I am Jesus. Que tu n'aimes pas. That you don't love. Je suis Jésus. I am Jesus. Que tu combats. That you are fighting. Je suis Jésus. I am Jesus. Dont tu veux décourager tous ses adorateurs. That you want to discourage all his followers, his worshippers. Ensuite. Next. Mais. But. Écoutez très bien. Listen carefully. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Lève-toi. Rise up. Et tiens-toi sur tes pieds. And stand on your feet. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Alléluia. Praise the Lord. Continue. Et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Et de je te suis apparu. He said, I appeared to you. Pour faire de toi un témoin. To make of you un a witness. Ministre. A minister. Un conquérant. A conqueror. Un gaillard d'âme. A soul winner. Un grand influenceur. A great influencer. Tu seras témoin des choses que tu as vues. You will be a witness of the things that you saw. Et j'ai beaucoup de choses à te montrer. And I have a lot of other things to show you. Tu seras témoin de tout ce que je vais te montrer. You will be a witness of all these things that I will show you. Frère. Brethren. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Tu es témoin. You are witness. Des choses que tu as vues. Of the things you have seen. Et des choses pour lesquelles Jésus t'a apparu. And the things for which Jesus appeared to you. Tu es témoin. You are witness. Jésus t'est apparu. Jesus appeared to you. Pour faire de toi un ministre. To make of you a minister. Continue. Continue. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Il dit, je t'arrache de la famille idolâtre. He said, I snatch you from the idolatrous, idolatry family. Je t'enlève de ton environnement malsain. I take you out of your evil, your insane environment. Je t'enlève de ton environnement idolâtre, prostitué. I take you out of your environment, which is idolatry and prostitute. Et je t'envoie. Continue. Continue. Afin que tu leur ouvres les yeux. Et je t'envoie dans le même milieu où tu es sorti. And I send you back in the same environment from which you came out. Je te prends de ton village. I take you from your village. Et je t'établis. And I appoint you. Ministre. Minister. Et témoin. And witness. De tout ce qui me concerne. Of all that concerns me. Et je te dis. And I tell you. Retourne donc. Go back there. Là-bas. There. Chez tes parents.
to your chez parents, chez tes amis, to your friends, dans ton milieu, in your environment, là où je t'ai trouvé, that place where I found retourne you, là-bas, go back there, pour faire quoi? To do what? Afin que tu leur ouvres les va yeux. Va ouvrir les yeux. Go open the eyes. Je t'envoie. I send you pour que tu ailles ouvrir for les you yeux. To go and open the eyes. On ne peut rien devenir. You can become nothing. Si l'on ne comprend pas que Jésus nous a choisis. If you don't understand that Jesus has chosen et nous a établi you and has appointed you pour une mission claire. For a clear mission. Tu vas perdre le temps sur la terre. You will waste your time on earth. Tu dis, je ne sais pas quel est mon but. Je ne sais pas quel est mon but. You say, I don't know what is my goal. I don't know what is my goal. Jésus te dit. Jesus tells you. Je t'ai pris du milieu des pécheurs. I took you from the midst of the sinners. Et je te fais voir ma grâce. And I made you see my grace. Tu as touché à mes compassions. You touched my compassion. Tu sais comment la culpabilité ronge les cœurs. You know how guilt destroy hearts. Tu sais comment les passions ruinent les vies. You know how passion destroy lives. Détruisent les carrières. Destroys careers. Rendant chaque passionné aveugle. Making each passionate person blind. Aveugle. Blind. Têtu. And stubborn. Et inutile. And useless. Va donc maintenant. Therefore, tu es délivré. You are delivered. Va ouvrir les yeux. Go, open the eyes. J'ai ouvert tes yeux. I opened toi the aussi. Eyes. You also. Va ouvrir les go, yeux. Open the eyes. J'ai ouvert tes yeux. I opened your eyes. Je t'ai montré des choses. I showed you things. Je t'ai fait voir une vision. I made you see a vision. Cette lumière que tu as vue. That light you saw. Personne n'a jamais vu ça no, sur la terre. No man has seen on earth. Dans ton village. In your village. Ce que tu as vu. That which you have seen. Cette lumière qui t'a jeté par terre. That light. That cast you on the ground. Aucun membre de ta famille. No member of your family n'a vu cette lumière. Has ever seen that light. Va donc ouvrir les yeux. Therefore, go j'ai ouvert open tes yeux. I opened your eyes. Va ouvrir les leurs. Go open them. J'ai ouvert tes yeux. I opened your eyes. Va ouvrir les leurs. Go and open them. Tu es établi. You have appointed. Tu es ministre. You are minister. Avant d'aller loin, before il faut further, d'abord comprendre ça. We should first of all understand this. De telle sorte que si tu veux, so that if you want, tu peux dire Seigneur, je ne veux pas, laisse-moi. Moi, je suis un mondain. You je can n'ai pas say, besoin oh, de tout ça. Oh Lord, leave me aside. I don't need all this. Leave me. I'm a worldly man. L'apôtre n'a pas discuté. The apostle did not argue. Il dit plus tard. He said later on. Oh roi Agrippa. Oh. King Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. I did not resist the heavenly quand vision. Dieu when God m'est apparu appeared to me, et qu'il m'a révélé qui il était, and that he revealed to me who qu'il m'a is, montré sa lumière, ses desseins, when he showed me his light and his purposes, et que mes yeux étaient ouverts, and that my eyes were opened, je n'ai pas résisté. I didn't resist. Je suis allé directement ouvrir les yeux des autres. I went straight to open the eyes of the others. Continue. Continue. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Va travailler. Go work. Pour que les hommes so that people passent des ténèbres will go from à la lumière. To light. C'est ton travail. This is your work. C'est ta mission. It's your mission. C'est ta carrière. It is your career. La nouvelle carrière. Your new career. Quand Jésus te touche de cette manière, when Jesus touches you that way, il te transforme. He transforms you, il change ton itinéraire. And he changes your way, il change tes ambitions. He changes your ambitions, il change tes passions. He changes your passions. Ça doit s'opérer de cette manière. This must be operated that sinon, way. Otherwise, il n'y a pas eu de conversion. There have not been any conversion. Il n'y a pas eu de conversion. There have been no conversion. Et j'ai dit aux frères, I told the brethren, relisez encore très bien la Bible. Read the Bible very well again. La conversion, conversion n'a rien à voir avec les péchés. Has nothing to do with sin. C'est la repentance qui permet à l'homme de régler les problèmes du péché. It is repentance that allows man to settle the matters concerning la sin. La vraie conversion, genuine conversion, travail, work, pour que l'être humain appartienne totalement à Dieu. For human being to totally belong to God. Ses projets, ses ambitions, ses amours. His projects, his ambitions, his affections. Ses passions. His passions. Doivent être transformés. Must be transformed. Si ce n'est pas transformé, if it is not transformed, on dit qu'il n'est pas converti. We say that he is not converted. Quand tu vis dans le péché, when you live in sin, on dit qu'il ne s'est jamais repenti. We say that he has never repented. Il ne s'est jamais repenti. He has never repented.
Quand tu aimes le monde, when you love the world, tes passions sont dans le monde. Your passions are in the world. Tu n'as pas encore connu la conversion. You have not known conversion yet. On parle donc de la foi authentique en Jésus. We therefore talk about genuine faith in Jesus. De la repentance envers Dieu. Repentance toward God. Et de la conversion à Dieu. And conversion to God. Nous sommes en train de régler ici l'un des points relatifs à la conversion à Dieu. We are settling here one of the points that are related to the conversion to God. Un jeune homme qui est déjà sauvé. A young man who is already saved. On lui dit. He is told. Tout est permis. All is allowed. Mais tout n'est pas utile. But all is not useful. N'aime pas n'importe quoi. Ne dis pas ce n'est pas interdit. Tu entres dedans. Do not love just anything and do not say that it is not forbidden and you get tout to it. Tout est permis. All is allowed. Tout n'édifie pas. But all does not edify. Là, ça rentre dans le domaine de la maturation spirituelle. This gets into the domain of spiritual maturation. J'ai la liberté. I have freedom. D'écouter. To listen. Telle chose. Such a thing. Mais elle ne m'édifie pas. But it doesn't edify. Donc me. Je ne l'écouterai pas. So I will not listen to it. Je ne l'écouterai pas. I will not listen. J'ai la liberté. I have the freedom. D'aller à tel endroit. To go to such a place. Mais ça ne m'édifie pas. But it doesn't edify me. Je n'irai pas. So I will not go there. Quand on y arrive. When you get. C'est ça qu'on appelle la vraie conversion. To that point, this is what we call genuine conversion. C'est ça qui fait de toi un conquérant. It is this. It is that that makes of you a conqueror. Ta vie, that your life, si quelqu'un s'amuse à t'observer, if somebody tries il va se convertir. To observe you, he will be converted. Si quelqu'un s'amuse, il va t'étudier, il va se convertir. If somebody decided that he will study you, he will get converted. Parce que ta vie est tranchante. Because your life is sharp. Tu ne t'arranges pas pour manipuler les gens, non. You don't try or make try to manipulate tu vis ta vie. You live your life. Et ça laisse and des vies. It lives, ça accouche des vies. And it begets lives. Va ouvrir les yeux. Go open the eyes. Va ouvrir les yeux. Go open the eyes. Va les aider. Go to help them. Prends-les. Take them. De la des ténèbres. From darkness. Tu les transfère dans la lumière. And you transfer them into the light. Arrache-les de la puissance du diable. Snatch them from the power of the devil. Viens les placer sous la puissance du Saint-Esprit. And come and set them under la puissance power, de Dieu. Under the power of God. Pour quel but, Lee? For which purpose? Really? Pour qu'ils reçoivent. Pour qu'ils reçoivent. For them to receive. Par la foi en moi. Par la foi en Jésus de Nazareth. Through faith in Jesus of Nazareth. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Acclamation à Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Toute l'humanité doit recevoir le pardon des péchés. Il doit recevoir le pardon des péchés. The forgiveness of sins. Vous savez, you know, Corneille est un croyant. Cornelius was a believer. Il donnait l'argent à Dieu. He was giving money. He gave money to God. Il jeûnait. And he used to fast. Et il priait beaucoup. And he prayed a lot. Mais il ne connaissait pas Jésus. But he did not know Jesus. Dieu lui a dit, God told him, envoie quelqu'un. Send somebody. Envoie quelqu'un appeler l'apôtre Pierre. Send somebody to call Apostle Peter. L'apôtre Pierre va te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. Apostle Peter will tell you the things by which you will be saved. Quand Pierre est venu, when Peter came, qu'est-ce qu'il a dit à Corneille? What did he tell Cornelius, que Jésus that Jesus est le juge des vivants et des morts. Is the judge of the living le and the dead. Le juge des vivants et des morts. The judge of the living and the c'était and the dead. Là la révélation. He had the revelation qui a conduit Cornelius au salut et toute sa famille. That was the revelation that led Cornelius and all his family to salvation. Et il disait tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. And he also said that all the prophets testified about him that whoever receive him receive the forgiveness of his sins. Et il disait Jésus nous a ordonné. And he said that Jesus commanded us d'aller dire ça au monde. To go and tell it to the world. Acclame pour toi-même. Clap for yourself. Juge des vivants et des morts. Judge of the living and the dead. Et j'ai gagné quelqu'un avec ce verset-là. Un ancien musulman. I won a former Muslim with that verse. Je lui ai dit, I told him, tu vois, you know, you see,
Cornelius ne connaissait pas Dieu. Cornelius did not know God. Dieu lui a dit d'appeler Pierre. God told him to go and call Peter. Et Pierre lui a dit. And Peter told him que Jésus est le juge des vivants et des morts. That Jesus is the judge of the living and the dead. Que c'est Jésus qui va juger les hommes. That it is Jesus who will judge men. Il a cru en même temps. He believed on the spot. Dit qu'il ne savait pas ça. Il a and cru he said I didn't know that and he believed. Donnez-lui le micro. Give him the microphone. Seigneur, merci, merci beaucoup. Merci parce que tu ouvres. Cinq personnes peuvent s'ajouter. Five people can join him. Merci parce que tu nous as établis, tu as ouvert nos yeux grandement, Seigneur, pour aller ouvrir les yeux des autres. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, de ma stupidité, de mon aveuglement, Seigneur. Pardonne-moi pour mon errance, Seigneur. Oh Dieu, enlève les conséquences de ces péchés dans ma vie. Seigneur, tu m'appelles à reprendre mon bâton de pèlerin. C'est pourquoi je suis là, Seigneur. C'est d'ouvrir les yeux chaque jour des hommes perdus. Tu vas directement à l'enfer, Seigneur. C'est pour cela que tu m'as établi en tant que dirigeant. Je plaide ce matin que tu ordres les conséquences des péchés dans ma vie. Tu m'as assoupi, tu m'as empêché, Seigneur, de rendre témoignage d'une manière efficace. Je reviens totalement à toi. Oh, Seigneur. Je reviens à toi totalement, Seigneur. Dans l'évangélisation à outrance, Seigneur. Oh, s'il te plaît, par ces paroles simples d'un passage public, un ministre s'est donné, Seigneur. Je prends l'engagement de le faire ce matin et de ne pas fermer ma bouche, mais d'aller prêcher et ouvrir les yeux des autres, afin qu'ils soient comme moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je vais te dire merci. Merci de ce que, Seigneur, tu m'as arraché des ténèbres. Tu t'es révélé à moi. Oh Seigneur, tu m'as fait voir des choses célestes. Et tu m'as établi comme ministre. Tu m'as aussi établi comme un témoin vivant pour retourner dans le monde, prêcher l'évangile. Ouvrir les yeux de ceux qui sont à quoi aveugles, afin que Seigneur, ils puissent véritablement être sauvés. Oui, Seigneur, je vais te dire merci. Merci, merci, merci de ce que tu m'as établi et de ce que tu m'as envoyé dans le monde. Oh Seigneur, pour annoncer les choses que j'ai vues, les choses que j'ai entendues, ce que j'ai vu, Seigneur. Seigneur, je te dis infiniment merci. Père, je prie et je m'engage à continuer de prêcher afin d'ouvrir les esprits, afin d'ouvrir les yeux dans chaque village, dans chaque contrée de ce pays et même au-delà, pour que les perdus soient sauvés, qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Car le pardon du péché, c'est pour toute l'humanité, Seigneur. Merci infiniment pour le choix de ma personne comme ministre et témoin des choses célestes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce de ce que tu permets, ô Dieu, que nous soyons réellement dans ton champ. Je prie, Seigneur, éternel notre Dieu, pour la mission que tu nous as donnée. Ô éternel, je sais là où tu m'as enlevé. Oh Dieu, là où tu m'as enlevé, dans la bousse, éternel, au milieu des drogués, au milieu des souleurs, au milieu des fornicateurs, au milieu, Père, des ivrognes, et même, oh Père éternel, des idolâtres. Et tu as permis que, Père éternel, aujourd'hui, je sois en paix, parce que mon âme n'est plus tourmentée. Je dors comme un bébé, je me réveille en pleine forme. Et je dois aller, Seigneur, apporter cette bonne nouvelle
que tu m'as donné afin d'amener aux hommes, ô Dieu, à savoir ce que tu es, ce que tu fais, ouvrir leurs yeux afin de connaître qui tu es et ce que tu fais dans la vie des hommes pervers. Je suis un témoin, je le ferai. Au nom de Jésus, amen. Ensuite, après le pardon des péchés, after the forgiveness of sins, qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et l'héritage avec les sanctifiés. And in the inheritance with the holy ones. Ils reçoivent le pardon des péchés. They receive the forgiveness of sins. Ils reçoivent l'héritage avec les sanctifiés. And they also receive the inheritance with the holy ones. La vie éternelle. That is everlasting life. L'espérance des saints. The hope of the holy ones. Le but pour lequel nous portons des grosses Bibles. The purpose for which we bear big Bibles. Et nous pouvons payer des voyages, des billets d'avion. And we can pay plane tickets, hundreds of thousands. Payer le transport. Pay the lorry fare. Tengrela au Djéné. From Tengrela to Djéné. Abidjan. To Abidjan. Sans crainte. Without fear. Chaque année. Every year. D'une façon renouvelable. In a renewing way. L'héritage. The inheritance. Avec les sanctifiés. With the holy ones. L'héritage. The avec les sanctifiés. With the sanctified. Il dit, va dire. He said, go tell. Que ceux qui seront fidèles. That those who will be faithful. Vont entrer dans la gloire éternelle. Will enter everlasting glory. Ils vont entrer dans le bonheur éternel. They will enter everlasting happiness. Ils vont entrer dans la félicité éternelle. They will enter everlasting happiness. Ils seront là où je suis. They will be where I am. Dit Jésus. Said Jesus. Il dit va. He says go. C'est ta mission. It is your mission. Frère bien-aimé. Beloved brother. Nous avons du travail. We have work to do. Un travail glorieux. It's a glorious work. L'apôtre Paul parle de la gloire de son ministère. Apostle Paul talks about the glory of his ministry. C'est quelque chose que nous devons aimer. It is something that we should love. Il ne faut même pas de place pour les passions du monde. There's no room for the passions of the world. Ce que les jeunes de notre génération appellent passion. What these things that the youth of our generation call passions doit être zéro parmi nous, zéro. Must be zero in our midst, zero. C'est nous qui vivons. We are the one who live. C'est nous qui avons des vraies passions. We are the one who have genuine passions. Les jeunes, the youth, doivent venir vers vous. Must come toward you. Apprendre à avoir des passions. And to learn how to have passions. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est ce message que l'apôtre Jean veut véhiculer quand il dit n'aimez pas le monde. It is that message that Apostle John wanted to share, to give when he says do not love the world. Des choses qui sont dans le monde. And nor the things which are in the world. Il dit car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. He said, for the one who loves the world, the love of the Father is not in him. Ça ne doit pas être un débat dans les assemblées. This must not be a debate in the assemblies. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Va. Go. Va ouvrir les yeux. And open the eyes. Ce message de Paul à Timothée. This message of Paul to Timothy doit ouvrir nos yeux. Must open our eyes. Doit ouvrir les yeux de la jeunesse. Must open the eyes of the youth. Ce message. This message doit te délivrer. Must deliver you.
Lis pour nous Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Read for us Colossians chapter 3, reading from verse 1 to 3. Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes ressuscité avec Christ, if therefore you are resurrected with Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossians chapter 3, reading from verse 1 to 3. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Amen. C'est le même message. It's the same message. Tu es mort. You are dead. Avec Christ. With Christ. Tu dois crucifier tes membres. You must crucify your members. Redis, écoutez ce qu'on appelle les membres. Redis. Read it again. Listen to what is called members. Continue au verset 4. Continue up to verse 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. L'impudicité. Immorality. L'impureté. Voilà les membres. These are the members. Les passions. Les passions. Passions. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Evil desires. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Et la cupidité qui est une idolâtrie. And greed, which is an idolatry. C'est même le cœur du message. It is even the core of the message. Ne commets pas l'erreur. Do not make the mistake. De regarder les choses superficiellement, tu dis, je n'ai pas les passions. To consider things in a superficial way and you say that I don't have any passion. Les choses que les mondains affectionnent, the things that the worldly people love, c'est quoi? What are they? C'est le mensonge. It is lie. Même mensonge institué. Il y a même les poissons d'avril. There are lies that are instituted, they talk about April Fool. Les mondains. Worldly people. Les grands mondains, pas les villageois. Great worldly people, not villagers. Les grands hommes politiques. Great political people. Quelqu'un est là. Somebody is there. Il tue les gens. Après, il dit, j'avais menti. He kills people. And after, he said, I lied. Des années après. Years later. J'avais menti. I lied. Et puis, les gens sont contents. And people are happy. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? J'avais volé. I stole. Et puis, les gens sont contents. And people are happy. Et c'est un grand voleur. That is a great thief. Qu'il est intelligent. And that is intelligent. Il sait voler. He knows how to steal. Je suis un grand coureur de jupons. I am a great womanizer. Et puis, les gens sont contents. And people are happy. Il est coureur de jupons. He's a womanizer.
J'étais quelque part. I was somewhere. Un petit enfant. A small boy. Il me dit, tu as déjà vu Satan? He told me, have you ever seen Satan? Il dit, moi, je suis Satan. He said, I am Satan. Je regarde le père, je dis, toi là. I look and I say, you. Il faut qu'on t'appelle l'apôtre Paul. You must be called Apostle Paul. Malheureusement, je ne sais pas où il se trouve aujourd'hui. Unfortunately, parce que j'étais dans un car. I don't know where he is today because it was in a car, in a bus. Tu as déjà vu Satan? Have you ever seen Satan? Moi, je suis Satan. I am Satan. Il est content. And he's happy. L'orgueil. Pride. Commande les gens. Direct. L'orgueil dirige, oriente, commande les gens. That is pride, direct, lead people. Ce qu'ils veulent porter, ce qu'ils veulent manger, là où ils veulent vivre, là où ils veulent effectuer des voyages touristiques. L'orgueil détermine ce qu'ils veulent porter, ce qu'ils vont porter. Pride determines that which they want to put on. Ce qu'ils mangent. What they eat. Leur direction touristique. Their touristic direction. Les passions. Passions. Il ne faut pas laisser ton poste. Do not abandon your post. De ministre et témoin. Minister and the witness. Pour servir les passions. To serve the passions. Pour servir des convoitises. To serve your desires. Ce camp. This camp. Doit nous transformer. Must transform us. Read Galatians chapter 2 verse 20. Chapter 2 verse 20. Galates chapitre 2 le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Galatians 5, reading Galatians chapter 2, reading verse 20. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen. Relisons en français. Let us read it again in French. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus est en nous. Jesus is in us. Jésus est en toi. Jesus is in you. Ce que le Saint-Esprit te demande, that which the Holy Spirit requires from you, n'est pas une chose impossible. Is not something impossible. Parce que là où tu es, because where you are, c'est Christ qui vit en toi. It is Christ who lives in you. C'est lui qui produit la capacité. He's the one who produces the ability. C'est lui qui te rend capable. He's the one who enables you. Ce n'est plus toi qui te débrouille. It's no longer you who try by yourself. Christ vit en toi. Christ lives in you. Christ vit en toi. Christ lives in you. Christ produit le caractère en toi. Christ produces the character in you.
Les passions ne sont pas une fatalité. Qu'est-ce qui est tombé sur toi? Tu dis, je ne peux plus rien faire. Les passions sont déjà sur moi. Passions are not a fate that fall on you and you say, it's no longer myself. I don't know what is happening to me. Tu décides. You decide. Quand tu prends ton portable, when you take your mobile phone, et que ça te prend 3 heures, and it takes you 3 hours, 4 heures, 4 hours, tu ne peux plus être ministre et témoin. You can no longer be minister and witness. Ça, c'est des choses pratiques. These are practical things. Ça n'a rien à voir avec les démons. Yeah, it has nothing to do with demons. Tu te réveilles. You wake up. Tu prends ton cellulaire. You take your mobile phone. Tu ne causes avec personne. You speak with nobody. Parce qu'il n'y a pas le temps. Because there's no time. C'est quand tu t'endors. It is at the time you sleep. Les écouteurs sont dans tes oreilles. That the earphones are in your ears. Une sœur m'a dit que son mari ne communique pas, il ne cause pas le téléphone, seulement le téléphone. A sister told me that her husband doesn't communicate. It's only the cell phone. Le téléphone. The cell phone. Plus le sommeil. And after sleep. Plus le téléphone. And after the telephone. Plus les petites tâches obligatoires. And plus the other obligatory tasks. Puis le téléphone. And then the cell phone. Plus le sommeil. And after sleep. Est-ce que le téléphone est une mauvaise chose? Is the cell phone a bad thing? Personnellement, non. Personally, no. À mon humble avis. To my mind. Il me rend de grands services. It gives me great services. Mais si ça devient l'objet de l'amour, de la passion, il y a un problème. But if it becomes the object of love, passion, then there is a problem. Si tu l'utilises, if you use it, pour chercher les sites pornographiques, to seek pornographic sites. Le débat n'est pas est-ce que le téléphone est une bonne chose ou non. Le débat c'est est-ce qu'on doit l'utiliser pour chercher les homosexuels dans le monde. The debate is not is the cell phone a bad thing. The debate is should we use it to look for homosexuals. Pour alimenter les industries pornographiques. In order to les enrichir. To enrich pornographic institutions. Les industries. Pornographic industries. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ça dit d'une façon pratique, c'est de cela qu'il s'agit. That is, in a practical way, this is what it is all about. Est-ce que tu dois être fan d'un artiste mondain? Should you be passionate of a worldly artist? Quand il compte ses adorateurs, ton nom est dedans. When he counts his worshippers, your name is among them. Et ses démons t'oppressent. And his demons oppress you. Ses démons t'oppressent. His demons oppress you.
Si je vis, if I live, ce n'est plus moi. It's no longer me. C'est Christ. It's Christ. Est-ce que tu t'es posé la question, qui est l'inspirateur de cette mode? Did you ask yourself the question, who is the inspirator of that fashion, that trend? Quels sont les pères? Who are the fathers de cette culture? Of that culture. De cette culture. Of that culture. Quand on va dans l'histoire, when we go back into history, les gens qui ont accouché cette culture, those who brought forth that culture, étaient qui? Who were they? Who were they? Des satanistes? Satanists? Ou des chrétiens? Or Christians? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les cultures ne se décrètent pas. On ne dit pas, voici ce qui sera notre culture. C'est la vie des gens. Cultures are not, they do not come by decree, but it is the life of people. Leur goût, their taste, and leur joie, their joy, leur goût, leur joie, their taste, their joy, leur style, their style, ont bâti la culture, build the culture, et nous devons détruire, and we must destroy them. Nous avons reçu l'appel, we have received the call, pour pénétrer les cultures, to penetrate cultures, et les disperser et introduire Jésus de Nazareth, scatter them and introduce Jesus of Nazareth. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les gens ont dit que l'apôtre Paul va faire tomber l'industrie. Oui, tu vas faire tomber l'industrie. People say that Apostle Paul will cause the industry to collapse. Yes, you are going to make the industry collapse. Les tous ceux qui d'ici le Koutoukou vont rentrer travailler la terre et planter les arachides et le manioc. All those who used to produce the local liquor will go back onto the ground to work and produce groundnuts and cassava, etc. Et le pays va grandir. And the country will grow. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il faut une attitude claire vis-à-vis du monde. It needs a clear attitude vis-à-vis the world. Lis pour nous Galates 5, verset 24. Read for us Galatians 5, verse 24. Galates chapitre 5, le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Galatians 5, verse 24. Those who belong to Jesus Christ have crucified the sinful nature with its passions and desires. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Dis, nous proclamons. Say, we proclaim. Que ceux qui sont en Jésus-Christ. Those who are in Jesus Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Those who are in Jesus Christ. Ont crucifié la chair. Have crucified the flesh. Avec ses désirs. With its desires. Et ses passions. And its passions. Ça doit être vrai.
This must be true. Dis, nous proclamons que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs with their desires et ses passions and its passions. Crucifié. Crucified. Dans les desseins de Dieu, in the purposes of God, c'est un acquis. It is something that is already acquired. C'est énoncé ici comme étant un acquis, une chose déjà faite. It is uttered or written here as something which is already done, acquired. Ceux qui sont en Jésus-Christ, those who are in Christ, ont crucifié. Ils ne se débrouillent pas chaque jour. They have crucified. That is, they do not try by themselves every day. Le transfert est une chose réelle. The transfer is something real. Le passage de la mort à la vie est une chose réelle. The passage from death to life is something real. Le passage des ténèbres à la lumière est une chose vraie. The passage from darkness to light is something real. Ceux qui sont en Jésus. Those who are in Christ. Ceux qui sont en Jésus. Those who belong to Christ. Ceux qui sont en Jésus. Those who belong to Christ. Ceux qui sont en Jésus. Those who belong to Christ. Have crucified. Ont crucifié. Have crucified. Ont crucifié. Have crucified. La chair. The flesh. Avec ses désirs. And its desires. Et ses passions. And its passions. C'est fait. It is done. Que le diable ne te trompe pas. Let not the devil deceive you. Maintenant. Now. S'il y a un petit problème, tu fuis seulement. If there's a small trouble, you just flee. Tu n'es pas dans les chaînes. You are not in chains. Que je vais faire comment? What am I going to do? Il y a quelqu'un qui a chanté, Satan, laisse-moi. Est-ce qu'on dit à Satan, laisse-moi? Somebody said, Satan, leave me. Do we tell Satan to leave you? Est-ce qu'il va accepter? Is he going to accept? Nous-mêmes, on a vu des cas. Il dit, je ne sors pas. You tell him, go. He said, no, I won't go. Vous croyez que c'est facile pour lui? Do you think it is easy for him? Il va aller où? Where is he going to go? Au Bénin. On dit, sors. Pour aller où? In Benin, we say, get out. He said, to go where? Acclamons pour Jésus. Clap for Jesus. Pour aller où? To go where? Et j'ai compris que c'était vraiment la désolation. I just understood that it was desolation. J'ai dit, va en ton lieu. I told him, go to your place. Il est parti. And he went. Frère. Brethren. La Bible dit. The Bible says. Jésus. Jesus nous a transféré. Il faut pas douter. Has transferred us. Do not doubt. Il faut pas avoir la foi des intellectuels. Do not have the faith of intellectuals. Faut avoir la foi des petits enfants. You must have the faith of little Simple. Children. Simple. On te dit, on t'a pris des ténèbres, on a mis dans la lumière. Tu dis alléluia. They Amen. Tell you that you have been taken from darkness and you have been set into the light. You say hallelujah. Ne perds pas le temps à dire il y a plusieurs types de lumières. Il y a la lumière du matin, la lumière du midi, la lumière du soir, la lumière de la nuit avec les lampes, et puis tu t'égares dedans. Do not waste time saying that there are a lot of kind of light. The light of the morning, the light of midday, the light of the night, in which you use the torches and you get astray. You are led astray in this. Tu étais dans les ténèbres. You were in the darkness. Jésus t'a déjà soulevé. Jesus has already taken t'a déposé dans la lumière. And has set you into the light. Je proclame que c'est un fait vrai et véritable. Que Jésus-Christ m'a transféré du royaume des ténèbres. Il m'a arraché et transféré du royaume des ténèbres. Et il m'a établi dans son admirable lumière. Alléluia. Et je suis établi dans sa lumière. C'est un fait établi. Amen. Amen. Je proclame que Jésus-Christ m'a transféré des ténèbres à la lumière. Je proclame que c'est un fait établi.
Il ne peut jamais changer au nom de Jésus. Amen. Amen. Je refuse la foi des intellectuels et j'accepte la foi des petits enfants. Et je proclame que Jésus-Christ m'a transféré des ténèbres, m'a établi à la lumière. J'accepte cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je proclame que Jésus m'a transféré des ténèbres à la lumière. Oh, c'est un fait. Je crois cela. Amen. Amen. Je proclame que Jésus-Christ m'a transféré des ténèbres à la lumière. C'est fait aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je proclame que Jésus m'a transféré des ténèbres à son admirable lumière. C'est un fait. Et je crois comme un petit enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ. Jesus. Oui, Seigneur, c'est vrai. Cette vérité est incontestable, Seigneur. Oui, tu m'as transporté des ténèbres à la lumière. Je suis un enfant de lumière. J'ai crucifié, Seigneur, la chair, ses passions et ses désirs, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour cette vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Galates 6, 14. Galatians 6, verse 14. Galates chapitre 6, le verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Galatians chapter 6, verse 14. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Amen. Le monde, the world, a été crucifié pour nous. Has been crucified for us. Nous aussi, we also, nous avons été crucifiés pour le monde. We've been crucified for the world. Le monde n'a pas besoin de nous. The world doesn't need us. Nous n'avons pas besoin du monde. We also do not need the world. Quand les hommes du monde, when the people of the world, font leur recensement, they do their census, ils ne mentionnent pas ton nom. They do not mention your name. Pour ceux qui pratiquent la délivrance, nous rencontrons ça chaque jour. For those who practice deliverance, we encounter this all the time. Il y a des frères et sœurs qui ont vu les membres de leur famille leur dire que vous n'êtes plus avec nous en vision. There are brethren and sisters who saw the members of the family telling them you are no longer with us in a vision. Dans les songes. In dreams. Et vous n'êtes plus avec nous. That you are no longer with us. Il y a une sœur après sa délivrance. There's a sister after her deliverance. Les gens mangeaient. People were eating. Ils lui ont dit, est-ce que toi tu peux même encore manger avec nous? They told her, can you still eat with us? Avant, elle mangeait seulement, elle se rendait seulement compte qu'elle a déjà mangé. In the past, she used to eat and she just realized that she has already eaten. Une femme a dit à une sœur, une fille. A woman told her daughter, que j'ai un cercle dans lequel sont tous mes enfants. C'est toi qui manges, tu n'es pas dedans. That there's a circle. Il faut revenir. There's a circle in which all my children are, but you are not, you are missing, you are not in it. You should come back. Le témoignage de cette jeune fille est dans le livre. The testimony of that young lady is in the book. Le brisement des liens. The breaking of evil ties. Elle dit qu'elle a commencé à pratiquer le lesbianisme à l'âge de 8 ans. She said that she started practicing lesbianism at the age of 8. Quand elle nous a rencontrés, elle était âgée de 17 ans. When she met us, she was 17 years old. Elle ne connaissait aucun homme sexuellement. She did not know any man, sexually speaking. Tous ses partenaires, c'était des hommes, des femmes. All her sexual partners were women, ladies. Elle cherchait la délivrance, sincèrement. She was sincerely seeking deliverance.
Elle a rencontré les frères de Kumasi. She met the brethren of Kumasi. Les frères m'ont dit qu'il y a un cas ici, il faut que tu vois ça toi-même. And the brethren reported to me that there's a case here, you must look in it yourself. Je leur ai dit, allez-y, vous avez l'autorité, allez, délivrez-la. I told her, go, deliver her, you have the authority. Mais ils ne m'avaient pas expliqué quel était son problème. But they did not share with me the problem of that lady. Après, ils sont revenus me dire, il faut que tu vois ce dossier-là. They, after they came back to tell me, you need to have a look at this file. J'ai fait venir la jeune fille. I called for that the young lady. Elle m'a raconté son histoire. And she told me her story. Le Saint-Esprit m'a parlé. And the Holy Spirit spoke to me. Que son oncle, l'esprit de son oncle habite en elle. That the spirit of her uncle. Non, l'esprit humain. Il y a un esprit humain en elle. That there's a human spirit in her. Qui couche avec les femmes. That sleep with women. Donc en réalité, elle est juste intermédiaire, mais le vrai, c'est l'homme qui l'habitait qui était à l'action. In reality, in fact, she was intermediary, but it is the man that abide in her that was in action, that was working through her. Elle m'a dit, c'est vrai. And she told me it is true. Parce que mon oncle était mort. Because my uncle was dead. On l'a enterré. He was buried. Un jour. One day. À 1h du matin. At 1 a.m., il est entré dans la chambre. He entered the room. J'ai eu peur. I was afraid. Et je voulais réveiller ma cousine. And I wanted to wake my cousin J'ai up. Tout fait. I did all I could. Ma cousine ne s'est pas réveillée. My cousin didn't wake up. Et mon oncle m'a dit. And my uncle told me. C'est elle qui parle, l'oncle mort. The uncle who is dead spoke dit, to her. Ne t'en fais pas, elle ne peut pas se réveiller. He said, do not worry, she cannot wake up. Je ne veux pas faire, je suis pas venu faire du mal. I didn't come here to harm you. Je suis venu chercher mon sac. I came to fetch my bag. Elle me dit. She told me. Il m'a fait soulever le sac. He made me take the bag. Nous sommes sortis. We went out. Sans toucher le poignet de la porte. Without touching the door. Et the je l'ai accompagné. Lock. The handle. Je suis revenu moi seul. I accompanied him and I came back alone. Et toutes les portes étaient fermées hermétiquement. And all the doors were hermetically closed. Je me suis mis à frapper, frapper, frapper. And I started knocking and knocking and knocking. On est venu ouvrir. They came to open. Et je suis entré. And I entered. Et quand j'ai dit ça à ma grand-mère, she said that when I said it to my, elle m'amène chez le féticheur. I reported to my grandmother. She took me to the fetish. Quand je reviens, je suis même plus fort encore. When I come back, I am even stronger. Elle m'a dit. She told me. Un jour. One day. J'étais assise. I was sitting there. Un homme est sorti de terre. A man came up from the earth. Jusqu'à son buste. Until the middle. Et puis, je voulais crier, je n'ai pas pu. And I wanted to shout, but I couldn't. Et il a disparu. And he disappeared. Je lui ai dit, on peut te délivrer. I told her, you can be delivered. Jeune. Fast. Pour la repentance. For repentance. Elle a jeûné. She fasted. Jeûne pour la délivrance. Fast for deliverance. Au deuxième jour. On the second day. On me dit que c'est très difficile pour elle. They told me that it was very difficult for her. Mais elle a eu une vision. But she had a vision. Il y avait des vieillards réunis. There were old men gathered. Et un vieillard s'est levé. And one of the old men got up. Et lui a dit. He told her. La chose qui est en toi là. The thing that is in you. C'était chez ton père. It non, was. C'était d'abord chez celui-ci. Il a désigné quelqu'un. It was first in such a person. He C'est sorti. He pointed to that person. He came out. C'est parti. And went chez celui-ci. To such another person. C'est sorti. It came out. C'est parti chez ton père. And went to your father. Et son père était déjà mort. And her father was already dead. Et il lui dit, c'est sorti de ton père, c'est venu en toi. Now it has come out from your father. It has come to you. On in ne you. Sait pas pourquoi tu veux à tout prix chasser ça. We don't know why you want to cast it out at all costs. Quand on m'a dit la vision, when they shared this vision to me, j'ai dit ok, on n'attend plus le troisième jour de jeûne. Venez. See, I said no, we are not going to wait for the third day of fasting. On a come. Bombardé. We bombarded. Délivrance authentique. Genuine deliverance.
sa maman. Her mother. Je suis en train de vous montrer que c'est une chose réelle. Ces choses-là sont réelles. I'm just showing you that these things are real. Il n'y a pas de neutralité. There's nothing neutral. Soit on appartient au diable. We either belong to the devil. Soit on appartient à Christ. Or to Christ. Donc sa mère, sa mère lui dit, je ne te vois pas dans mon cercle. Her mother told her, I don't see you in my circle. Tous sont là, sauf toi. All the others are there, but except you. Ce n'est même pas comme ça qu'elle a commencé. Elle a commencé à lui dire que, oui, je ne te vois pas. She started telling her, I don't see you. Comme on lui avait expliqué tout, la délivrance, la sorcellerie, tout, elle maîtrisait. So donc, elle répondait à sa mère avec sagesse. So as we explained everything to her about deliverance, she knew everything and she answered to her mother with wisdom. Elle dit à sa mère, mais je suis ici tous les matins, maman bonjour, maman bonsoir, je sors, j'entre. Tu parlais de me voir comment, me voici. And she said, c'était d'une façon ironique. So she said, every time I come here in the morning, in the afternoon, good morning mom, good afternoon mom, and you said I don't see me. This was non, non. In an ironic way. J'ai un cercle. She said, no, I have a circle. Tous mes enfants sont dedans. All my children are in c'est it. Toi, tu n'es pas dedans. Je except ne te vois you. Plus dedans. I no longer see you. Il faut quitter l'église où tu es parti. Là. You must quit the church where you went. Oui, acclamez plus fort. Yes, clap louder. Merci. Thank you. Elle lui dit, quitte l'église où tu es parti. She told her, quit the church where you went. Elle a pris l'enfant, la jeune fille. She took the young lady. Elle l'a amenée chez sa grande sœur, donc la tante de la jeune fille. She went with that her daughter to her her sister, her elder sister. That is the aunt of the young lady. Elle lui demande de dire à cette fille-là, à cette jeune fille, de quitter la CMCI, de quitter. She told d'aller chez les catholiques. She told her elder sister to tell her daughter to abandon, to quit CMFI and go to the Catholics. Sa tante lui a dit, il faut la laisser. Her aunt told her. Enfin, la tante de la fille a dit, il faut la laisser. Donc sa sœur lui a dit de laisser. Her elder sister then told her, leave her. En revenant de chez sa sœur, ils sont venus directement à la maison chez nous. On her way, when they came back from her elder sister, they came directly to our house. Mais dit de dire à sa fille de ne plus venir chez nous. They came. She came to tell me to tell her daughter no longer to come to our church, to our community. Elle dit, Jésus, said, qu'est-ce qu'elle a fait? Dit qu'elle ne va pas à l'école, elle n'étudie pas. I asked her, what has she done? She said she doesn't go to school, she doesn't study. Les vacances là, je dis, est-ce qu'elle a déjà échoué même? We are in the vacation. Elle n'a même pas fréquenté. Elle n'a pas échoué pour venir dire qu'elle n'étudie pas. I asked her, has her already failed? She said, no, she has not failed. Moi, je savais que c'est une sorcière. So I knew that she was a sorcerer. Donc je disais, la fille que tu vois là, c'est ce que Jésus a fait pour elle. And I told her, your daughter that you see, she herself knows what Jesus has done for her. Elle est partie au village. She went to the village. Elle a mené un vieux avec l'eau du Zi. She brought l'eau du Kumwe, ça doit être l'eau du Kumwe. She brought an old man with the water from a river called Kumwe. Le vieux est venu. The old man came. Il lui dit, il faut te laver. He told her, wash yourself. Elle dit non. She said no. Il dit non, lave-toi. She said no, wash yourself. With zéro. Me. Nothing. Vers 19h. Around 7. Le vieux commence à crier qu'il ne peut pas dormir ici. The old man starts shouting that he cannot sleep there. Fire. Jesus. Et ils ont laissé la fille, l'enfant tranquille. And they left her in peace. Et un jeune a prié ici. One day a young man prayed here. Il dit, je veux fuir les passions. He said, I will flee from the passion. Je veux fuir Satan. I will flee Satan. Dieu lui a parlé. God spoke to him. Ces choses-là, these things, ont derrière, it behind le these diable things, lui-même. It is the devil himself. Si dès que tu comprends, as soon as you understand, que en fuyant les passions,
That by fleeing from passion, tu fuis le diable. From passions, you are fleeing from the devil. Tu seras vainqueur toujours. You will be always overcomer. Il y a des pièges. There are traps. Si tu tombes dedans, if you fall in it, c'est là où Satan se révèle à toi-même. This is where, it's at that moment quand that tu Satan, es déjà dans ses mains. When you are already in his hand, it is at that moment quand that tu es loin, he will reveal himself to you. When you are far, c'est encore la musique du monde. Dun, dun, it dun, is still dun, dun, dun. The worldly music. Quand tu es déjà dedans, when you are already in it, les cornes, the horns, Satan lui-même, Satan himself. Quand tu fuis, when you flee, le péché, sin, c'est que tu ne veux avoir aucune part avec le diable. It means that you do not want to have any portion with the devil. Satan le sait. Satan knows it. C'est pour cette raison qu'il dit à l'enfant de rentrer chez les catholiques. That's why that woman was telling her daughter to the other one to tell her daughter to go back to the Catholic. Parce que là-bas, because there, ils jouent avec le diable. They joke. I mean, they play ils with ne sont people. Pas troublés. They are not troubled. Mais là où elle vient de partir là. But that place where she rapidement gone, repentant, rapidement brisement des liens, rapidement on ne la voit plus. Non, faut qu'elle rentre. Quickly repentance, quickly breaking of your tie. Quickly, she is no longer. We can see her no longer. Et bientôt, she should go back. Il va vider la famille. And very soon, puisque c'est un influenceur puissant, he will empty the family because it is a powerful influencer. Qui a cru et les membres de sa famille l'ont suivi. Who believed and the members of his family followed him. Trois personnes pour rendre témoignage. Three people to come and testify. Bon, c'est là, c'est bon. Ça va comme ça. It's arrêtons. Okay. Merci. Stop. Thank you. Oui, vas-y. Yes, bon, si c'est plus de 10, tu pars. Gloire à Jésus Christ. Pour que, attends, si c'est plus de 10 personnes qui t'ont suivi, tu viens. You should come if it is more than 10 people who followed you. Bon, maintenant, si c'est plus de 20 personnes, tu peux venir. And if it is more than 20 people, you can come. Si c'est plus de 50 personnes, tu peux venir. If it is more than 50 people, you can come. 50 personnes. 50 people. Acclamation à Jésus Christ. Clap offering to Jesus. Écoutons. Let us listen. Gloire à Jésus-Christ. Je suis le frère Jeff O'Leary du Gabon et j'ai cru en 2002 dans une dénomination, mais je n'avais pas fait la vraie repentance. Et c'est en 2013 que j'ai rencontré la CMCI par le canal du défunt de notre frère, mon père spirituel qui a été enlevé, le frère Nangoudoum. Et étant engagé dans le Seigneur, je n'avais pas prêché à mes parents, parce que mes parents connaissaient qui j'étais, quelqu'un très dur dans son caractère. Et quand je croisais donc le Seigneur, j'étais à la maison familiale. Et ma mère fréquentait, jusqu'aujourd'hui, elle fréquente chez une prophétesse. Et mes sœurs qui m'ont connu se disaient, « Ah! Lui-là! C'est lui-là qui a donné sa vie à Jésus. » Et je ne prêchais pas. Et puis un jour, parce que je veux vous passer des détails, un jour, ma grande sœur, qui m'observait, mon beau-frère qui m'observait, mes frères qui m'observaient, se sont dit non, certainement, oui, il a quand même croisé le Seigneur. Lui-là, il a quand même croisé le Seigneur. Parce qu'on le connaît, lui, on le connaît. Pas lui, quelqu'un d'autre. Et un jour, j'ai appelé mon beau-frère. Parce que mon beau-frère, on l'appelait Tono. Quelqu'un il a réussi, mais plongé dans les alcools, les femmes, le vin, c'est vraiment la débauche. Et je l'ai appelé, je lui ai présenté l'évangile en 2-3 minutes. Quelqu'un qui avait toute une vie, une expérience dans la débauche, en 2-3 minutes. Et je l'ai invité le dimanche.
Et il a invité aussi ma grande sœur, qui était sa partenaire de péché. Mais avant que ma grande sœur ne vienne, un jour, elle était en discussion avec ma mère. Et j'étais dans la chambre. Je riais parce qu'elle déplorait la manière avec laquelle les faux prophètes ou la fausse prophétesse chez qui elle était allée adorer le dimanche s'était comportée. Et après, elle a dit une parole. Elle a dit, le jour que je vais croire, je vais véritablement croire. Dans la chambre, j'ai dit, j'attrape même cette parole au nom de Jésus-Christ. Je scelle ça au nom de Jésus. Bien-aimés frères, je vous dis la vérité. Ma sœur est arrivée. Mon beau-frère. Dès qu'on a fait l'appel à la repentance, ils n'ont même pas eu besoin d'un grand message, non. C'est juste deux petits témoignages. La fille de notre pasteur, le frère Calvin Ekoyela, qui est le leader de l'église au Gabon, elle a rendu son témoignage qu'elle est, elle est rentrée dans les grâces du mariage vierge. Ma grande sœur, qui avec son partenaire de péché à l'époque, se pose la question, ça existe à Libreville au Gabon, ça existe? Jésus-Christ. Dès qu'on a fait l'appel à la repentance. Alléluia. Et ce jour, le frère Calvin, qui est notre leader, n'a même pas déroulé toute la science. Il a donné son témoignage. Je vous dis la vérité. Il a seulement dit, qui veut donner sa vie au Seigneur? Mon beau-frère, ma grande sœur, se sont levés. Frère, et non seulement elle, toute la maison. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. Et la grande sœur et le grand frère, une vie totalement transformée, au point que même moi-même qui les a menés, je regarde ma grande sœur, je bénis, je dis oui, là vraiment, oui, tu es radicalement engagé, ça c'est la bonne chose. Le beau-frère est délivré et Dieu les a bénis. On a été persécutés dans la maison, mais comme je l'avais dévancé, et moi, j'ai connu une conversion, elle était drastique, radicale. Je disais seulement à ma grande sœur, tiens bon, tu verras, Jésus va être glorifié. Et Jésus nous a bénis, la grande sœur transformée, le beau-frère n'est plus le tonneau. Aujourd'hui, ils vivent dans une grande villa, maison, ils sont bien et ils vivent bien. Et l'évangile prospère et ils sont enfants de Dieu, sur la base du témoignage. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Même au travail, au quartier, ça, on aura l'occasion. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Et je suis le frère Yoplo Aaron Luc, le frère David de San Pedro, mon frère disciple. Et j'avais l'épilepsie et j'ai cru en 2019. J'ai rencontré deux frères de la CMCI qui m'ont prêché l'évangile de la vraie repentance. Et après mon brisement de liens, je fus délivré. Et Jesus Christ. J'étais en première année de comptabilité. J'étais quitté à l'école. Ma tante avait fermé la porte, ma tutrice. Donc j'étais couché chez les voisins. Et j'ai eu un léger sommeil. Dans le sommeil, je voyais des cousins du village. Ils étaient venus en groupe. Je sentais qu'ils avaient peur. Il s'approchait et dit, hey, Yoplo, les gens du village disent que ce que tu as pris, il faut ramener. La route que tu as pris, ce n'est pas une bonne voie. Reviens. L'homme dit, il a perdu son argent. Si tu retrouves, il faut ramener. Il s'approchait et j'ai commencé à parler la langue. Quand j'ai parlé la langue, ils sont dispersés, ils ont fui. Et le Seigneur m'avait accordé cette grande victoire en songe. C'était pour bénir son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le pasteur Mbesso à Saint-Elvis. Je suis missionnaire basé à Tengrela. Par la grâce de Dieu, quand le Seigneur m'a rencontré, à travers ma conversion, le Seigneur a sauvé
dans mes calculs, au moins 11 personnes. Acclamation. Clap of praise. Qui ont donné la vie à Jésus. Après la conversion, après la repentance, à la maison, les parents ont constaté un changement. Parce que nous appartenons auparavant à une communauté. Et quand j'ai quitté là-bas, ça a commencé à faire un clash. Donc les parents m'avaient chassé. Et je suis allé me réfugier dans une maison inachevée, servant le Seigneur dedans. Et je suis resté là, persévérant. Et tout au long de la marche, les parents ont constaté ce grand changement-là. Et un matin, ma mère m'avait appelé. Elle est venue dans ce coin-là pour me dire, je veux aller voir où tu vas là. Je vais aller connaître là-bas. Alléluia! Et dès lors, ça a commencé. Quand ma mère est partie, mon père aussi dit, il veut aller voir. Et mes frères et sœurs, jusqu'à ça a touché ma grand-mère. Et mon beau aussi en a suivi. Mon neveu aussi a suivi. Et je suis resté ferme par la grâce de Dieu. Et la famille aussi est en train d'être gagnée tout doucement. Donc je veux dire merci au Seigneur. Effectivement, quand le Seigneur te sauve, effectivement, il t'établit afin de produire réellement la lumière. Que la gloire lui revienne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le nom de Dieu parce qu'il m'a sauvé et il a aussi sauvé ma famille. C'est cette année au renversement des principautés qu'il y a une sœur qui m'a invitée à tirer quoi ici, Kokobo Claudia. Elle m'a invitée il y a longtemps, mais c'est cette année que je suis venue. Et dès que je suis venue, j'avais mon enfant malade longtemps. L'enfant n'a pas été dedans, c'était bizarre. L'enfant est venu, quand je suis venue à lui, par la grâce de Dieu, l'enfant était guéri. Et il a grossi même en une semaine. Donc j'ai vu que Dieu avait travaillé dans ma vie. Et quand ils ont fait mon brisement des liens, j'ai été aussi délivrée. Maman partait à l'église, assemblée de Dieu. Et à cause de l'assemblée de Dieu, à chaque fois, elle dit d'aller. Elle dit, maman, mon esprit n'est pas là-bas. Qu'il sent qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu. Donc, il ne partait pas à l'assemblée de Dieu. Donc, quand je suis arrivée ici, j'ai appelé maman. Elle dit, maman, viens. Qu'il y a Dieu à dire quoi? Maman, viens, pardon, viens voir. Elle dit, tu parles de quoi? Elle dit, viens. Et elle a fait son possible. Elle est venue. Elle dit, maman Aline. Sa petite soeur, elle dit, maman Aline. Elle dit, oui. Elle dit, maman, viens. Il y a Dieu à dire quoi? Elle dit, tu dis quoi? Mais elle dit, il y a Dieu à dire quoi? Viens. Elle aussi, elle est venue. Alléluia. Et ma grande soeur, elle était à Abidjan ici. Elle est toujours dans les trucs bizarres. Elle dit, Estelle. Elle dit, oui. Il dit, tu fais quoi la palmeraie? Elle dit, je veux escargot. Il dit, laisse escargot, viens, tiens quoi? Jesus. Tiens, tiens quoi? Oh. Elle dit, je vais finir de vendre. Elle dit, laisse ça. Chaque jour, tu vends, il n'y a rien là-bas. Viens. Et elle est venue. Et quand on dit, l'homme de Dieu a dit, qui va donner sa vie à Jésus? Il a prié, il dit, Seigneur, dis à la fille qui est assise là-bas, là, elle va s'élever, elle va partir. Ils vont prier pour elle. Je vois ma grosse s'est levée, elle est venue ici. Je dis merci à Dieu. Je vois ma maman s'est levée, elle est venue. Je dis merci à Dieu. Oh, c'était merveilleux. Et j'ai appelé mon petit frère, il dit, viens ici. Viens, tu sais quoi? Et mon petit frère est venu. Jésus-Christ. Jesus. Jésus-Christ. Et mon petit frère est venu. L'autre est resté là-bas parce qu'on avait laissé cacao. Donc, il dit, ah, faut suivre cacao là, mais l'année prochaine, tu vas venir. Et quand nous sommes retournés, on allait au village. J'ai dit, vous là, il y a Jésus à dire quoi? Il y a un serviteur de Dieu qui est là pour nous. Repentez-vous, j'ai évangélisé une famille. Et la maman même a dit, oui, l'année prochaine, je serai avec vous à dire quoi? Et je suis allé encore évangéliser une autre famille. Et je continue. L'année prochaine, je viens ici avec convoi. De mon village. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je veux bénir le nom de notre Seigneur parce qu'il nous a donné un vrai serviteur et sa parole est vivante ici. L'honneur et la gloire lui soient rendus au nom de Jésus. Amen. 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 Hey, viens. Come. Est-ce que tu es marié? Are you married? Viens, je vais te bénir. Come, I will bless you. Kora baka joro baka go baka joro baka go baka joro baka go baka. Donne un conquérant à cette fille.
Oh Père, donne un conquérant à cet enfant. Un vrai, délivré, puissant en parole, puissant en œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Grâce au nom de Dieu. Alléluia. Je suis le frère Camille Guigui Edgar Franck. Et mon faisait des disciples, c'est le pasteur Okai Molo de l'église d'Abidjan. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis le frère Eyou Camille Didier. Et je faisais des disciples, le pasteur Desanges Marshall. Je suis missionnaire dans la localité de Tienengbué. Amen. Je vais laisser mon grand frère commencer le témoignage. Gloire à Jésus. Et j'ai donné la vie à Jésus en avril 2015. Alléluia. Et en avril 2015, mon petit frère a donné sa vie à Jésus en août 2015. Alléluia. Et en 2016, on était 22. Alléluia. Acclamation. Clap offering. Jésus-Christ. Jesus. Et en 2018, le Seigneur nous a conduits. On a implanté une assemblée chez nous à Nigisaf. Gloire à Jésus. Et on montait autour de 40. Bon, jusqu'à présent, bon, on n'a pas encore totalisé le nombre. Sinon, le Seigneur nous a bénis et nous sommes à peu près 50, 60. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le Seigneur, en tout cas, s'est manifesté puissamment. Parce que moi, j'étais un bouddhiste. J'étais un bouddhiste et je raisonnais. Et quand j'ai donné la vie à Jésus, mon petit frère, il était un vrai ivrogne. Moi, j'étais un bagarreur. J'étais un bandit. Quand j'ai donné la vie à Jésus, je lui ai dit, Didier, moi, j'ai trouvé Dieu. Vous laissez, viens. Alléluia. Il raisonnait. Et on était en renversement de principauté de 2015. Une nuit, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, parce que le pasteur nous a conduit à dire que pendant que je prie, d'autres sont en train de faire ça. J'ai dit, Seigneur, voilà que pendant que je suis en train de prier, intercéder, d'autres sont en train de commettre la fornication. Oh, mon petit frère était à la maison avec femme, je ne savais pas. Alléluia. Jésus-Christ. Acclamation. Jésus. Acclamation. Clap offering. Clap offering. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth. Jesus. Alléluia. Nous allons laisser notre neveu Camille Michel se présenter. Gloire à Dieu. Je suis le frère Camille Michel. Et j'ai pour faire des disciples. Mon nom est Camille Franck. Alléluia. Il faut dire, mon grand frère m'a influencé. Jésus Christ. Jesus Christ. Avant de donner ma vie à Jésus, lui, il était avant un bouddhiste, un bagarreur. On l'appelait même le piquantier du désert. Et quand il a donné sa vie à Jésus, j'ai commencé à l'observer, à voir sa manière de faire les choses. Et j'ai vu que ce piquantier du désert a changé. Il est devenu un évangéliste. Il prêchait l'évangile à Ajesco. C'est comme ça, un dimanche, moi-même, je lui ai dit que je veux aller dans ton église pour voir. Et c'est là-bas que j'ai donné ma vie à Jésus. Frère, quand j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, en 2016, comme c'est pendant le renversement des principautés que ce sujet de prière m'a touché, j'ai dit non, il faudrait qu'on rentre aussi ensemble dans le renversement des principautés personnelles et familiales. Et nous avons jeûné parce que dans notre village, la passion des habitants de notre village, c'est le Mapuka. Il faut dire, le Mapuka est né dans notre village. Dans la majorité des jeunes, tout le monde, l'alcool, le Mapuka. Donc on était vraiment irrités pour changer cette histoire-là.
Oui, c'est la danse des femmes avec les fesses qu'elles dansent. Comme, bon, c'est une danse d'immoralité même. C'est une danse immorale. Donc, quand nous avons vu ça, on dit non, que ça ne peut pas continuer. Donc, nous avons gêné. Nous avons prié. Et comme papa venait de le dire, le pasteur Meunier venait de le dire, que derrière les passions, le diable est derrière. Donc, en 2016, j'ai eu un songe. Où dans le songe, je partais dans notre village. Parce qu'avant d'entrer dans le village, il y a une colline. Quand tu entres, il y a la communauté dans laquelle tout le village va être devant en rentrée du village. Donc je partais, je descendais et je voyais que les gens fuyaient de partout. Les gens fuyaient de partout. Il y a un frère du village qui est venu me rencontrer. Il dit, toi, les gens sont en train de fuir. Toi, tu rentres au village ici. Il y a quelqu'un qui te cherche pour te tuer. Hein? Il dit, moi, quelqu'un me cherche pour me tuer. Je vais voir cette personne-là. Et je marchais. Arrivé devant la communauté, je vois un nain qui est sorti de nulle part avec une machette, vraiment que je n'ai pas vue dans ce monde ici. Et il dit, toi, c'est toi qui veux délivrer le village. Pendant que j'étais en train de... Il est en train de discuter avec moi, je vois, il a envoyé la machette d'un coup. Donc je ne savais pas quoi faire, j'ai tendu ma main comme ça. Et la machette a pris là. Mais j'ai senti que ça n'a rien fait, ça ne m'a pas coupé, ça n'a rien fait. Jesus Christ. Toute arme forgée contre toi every sera sans effet. Against you Alléluia. Will be without effect. Et quand j'ai vu ça, frère, j'étais animé d'un zèle. J'ai arraché la machette. Et lui-même devant moi, j'ai envoyé sur la main gauche, bam! Jésus-Christ. Frère, quand j'ai envoyé, la main gauche est partie. C'est revenu en force, se couler. J'ai envoyé sur la deuxième main droite, j'ai envoyé, c'est parti. C'est revenu se couler encore. Bon, j'étais là et puis je regardais, je vois mon grand frère. Un manguier à l'entrée du village, il était arrêté comme ça. Et puis il me regardait. Jésus-Christ. Donc, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais Franck, tu vois pas que je suis en train de mener cette bataille-là, tu peux pas venir m'aider. Il dit, mais il faut m'inviter. Jésus-Christ. Alléluia. Donc, quand il m'a dit, il faut m'inviter, j'ai dit, bon, viens. En même temps, il a attrapé l'autre bras, j'ai coupé. Ce n'est plus revenu. On a découpé en pièces. Jésus-Christ. Jesus. Acclamons Jésus. Let's clap for Jesus. Acclamons Jésus. Let's clap for Jesus. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Le conquérant éternel. Le conquérant éternel. Jésus de Nazareth. Nous avons taillé ce nez-là en pièces. Nous l'avons démoli. On l'a mis dans un sac. Et il y avait un gros trou quelque part. Nous sommes allés, on l'a jeté dans le gros trou là-bas. Frère, quand je me suis réveillé, j'ai compris que la principauté qui régnait dans notre village est tombée, renversée. Elle a été renversée. C'est à la suite de ce songe-là que nous sommes allés à 22 personnes dans la famille. Alléluia. Amen. Et depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, frère, l'assemblée a été implantée à Nigisaf. Les danseurs, les tapeurs de Mapukala, beaucoup même sont venus avec nous. Et nous sommes en train d'adorer le Seigneur Jésus-Christ ensemble. Jésus-Christ. Nous voulons être infiniment reconnaissants au Seigneur. Je disais à mon grand frère, quand nous sommes rencontrés au camp ici, je lui ai dit, l'année prochaine, il faudrait qu'on s'organise pour faire un convoi, pour venir rendre témoignage à Tiekwa ici, pour que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen! Amen! Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Jesus. Avec les cris de victoire. Shout of victory. Avec les cris de victoire. Shout of victory. La victoire de Jésus-Christ. Jesus. La victoire de Jésus-Christ.
the victory of Jesus.